Salut tout le monde, vidéo découverte aujourd'hui sur Hellenica, comme vous pouvez le voir. Petit jeu indépendant dont je vais aller vérifier la page Steam pour plus vous en dire. Donc édité et développé par The Dragon Loft. Sorti le 23 janvier 2017, donc c'est très récent par rapport à la date où je tourne cette vidéo. Dans le style indépendant RPG stratégique, dans un univers je dirais un peu... antique, la Grèce antique notamment, pour reprendre la description, la turn-based tactique RPG, un jeu RPG tactique au tour par tour, dans la Grèce antique, avec des, je dirais la mécanique, l'énergie ou la technologie plutôt de la vapeur, où on contrôle Artemis, qui est, vous allez le voir en fait, puisque ça fait partie de l'histoire. C'est un jeu, voilà, juste RPG, tour par tour, tactique, qui m'a séduit, je dirais, par son esthétique. Et je fais des rimes en hic, voilà. C'est n'importe quoi. Sauf si j'arrive pas à revenir sur le... Ah, voilà, c'est mieux. Oui, je sais pas où est-ce que j'en étais, moi, à dire n'importe quoi. Voilà, l'esthétique m'a un peu plu, en fait, et j'ai déjà joué un petit peu, j'ai déjà fait une partie, juste pour voir un petit peu de quoi il s'agissait, et... Je me suis dit, ça se prête bien pour faire une vidéo découverte. Avant de commencer, donc, le jeu est en anglais. Il y a une petite intro que je ne vais pas forcément doubler, mais que je vous traduirai dans les grandes lignes. Je regarde un peu les options. Et, d'accord. Et comme vous pouvez peut-être l'entendre... Ah, zut, il m'a remis avec un retour Windows, du coup. Allez. Allez, je vais y arriver. Et donc, oui, comme je disais, vous l'avez peut-être entendu, mais... Bon, c'est reparti. Je suis fortement enrhumé, mon nez est complètement saturé de mort. Voilà, si vous voulez les détails, dites-le en commentaire. Mettez un pouce bleu si vous voulez les détails de ce qu'il y a dans mon nez actuellement. Oula, bah c'est l'histoire a commencé là. Voilà, alors je vais lire et puis je vais vous traduire ça après, résumer ça après. D'accord, donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, voilà, il y a la technologie de la vapeur. Un petit peu je sais pas, reformuler un petit peu le monde, je sais pas si ça se dit comme ça. Ouais, je sais pas comment trop traduire tout ça. Bon, il y a le côté un peu mythologique avec les dieux de la Grèce antique. Diana, my brave heart calls to be my weapon in vanquishing this threat. Et en gros, voilà, on est une élue des dieux, en quelque sorte, qui est comment ça s'appelle ceux qui peuvent changer de forme, enfin, qui sont les animaux, je sais pas quoi, là. Animorphes, je pense, ça peut être ça. Enfin, bref, elle change forme, en quelque sorte, elle peut changer de forme et se transformer en ours. Et on est donc accompagné d'une fine équipe. A ray of light, a brass eagle, a wandering flame. Et on doit aller buter des ennemis, tout simplement, hein. Il n'y a pas d'autre préoccupation que ça. Voilà. Alors, Adventures. Et j'aime bien les dessins. Enfin, je trouve que les dessins sont assez de bonne qualité. Que quoi? I was saying, I bet you have all kinds of exciting adventures. Je parie que tu... Je disais que tu avais... Que j'étais prêt à parier que tu avais plein d'aventures excitantes. Oui, allez. Ah. Oups, ça va, merde, j'ai... Leur appuyer trop, j'ai zappé un dialogue, excusez-moi. Oh, how about the Amazons? I bet they... Could you please leave me alone? Les Amazons, oui, d'accord. Oui, pardon. J'ai juste jamais rencontré une femme comme toi. Free to wander Greece without caring what people think of you or the way you dress. En gros, elle dit qu'elle fait ce qu'elle veut sans forcément se référer à ce que les gens pensent d'elle, enfin de ce qu'elle est, de ce qu'elle pense plutôt. Attendez, without caring what people think of you or the way you dress. Ou en gros, voilà, ils lui font pas de remarques sur ce qu'elle est ou sur ce qu'elle peut porter comme vêtement. Do you have a problem with what I'm wearing? Est-ce que tu as un problème avec ce que je porte? Ou est-ce qu'elle a insisté sur ce point? Voilà, il est 22h22. Je suis pas bien. Je pense que c'est pas forcément une bonne condition pour faire une vidéo. No, the bare skin looks very becoming on you. It's like a uniform, or do you just enjoy the fear? On dirait juste un uniforme, ou à moins que tu apprécies la fourrure.
marks me a servant to Artemis. Alors, en fait, c'est une marque de servitude à Artemis, la déesse de la chasse. D'accord. Eh bien, moi, je sers Apollo. Mais ce n'est pas aussi excitant que... Je veux dire... I mostly just leave this different steam device. En gros, je... Mais d'accord, j'avais pas forcément fait gaffe à son costume. En gros, elle, c'est juste une technicienne, voilà, qui gère la technologie de la vapeur, justement, dans son temple. Ce n'est pas forcément une vie désagréable. Sure, messing with machines is fun and all. It's just... I want to see the world. To witness the feeble dark elevators of Rhodes. To enter the mechanical sanctum of the Oracle at Delphi. There's so much out there that... Ouais, en gros, elle a dit que son métier, c'est pas de la merde, mais qu'elle veut voir le monde. Le monde. So leave. Bah oui. Donc, l'autre a dit, bah écoute, pars. Quoi? If you want to see the world, go. There are no chains around your neck. Tu n'es pas une esclave, tu peux visiter le monde. Allez, vas-y, maintenant, fais-le. No, I'll never be able to wander the world like you do. Don't make excuses. If you want to travel as I do, no one's stopping you from walking my path. Bref. Voilà. Alright, no excuses. I'll go get my things. My name's Nephili, by the way. And thanks. You're welcome. Wait. For what? Get your things? D'accord. Et ben voilà, on a récupéré une compagnonne de route. She's a strange one, but I have more important concerns. D'accord. Maybe someone in Athens, can help me make sense of this vision. J'ai beaucoup de blabla au début, hein. Moi j'avais un peu passé ça au début pour vite arriver voilà, au combat. I'll take the package the rest of the way. Bring the sleeves down and clear out. If anyone sees you, make sure it's the last thing they see. Oui. You got it, boss. Ah là, saleté de rhume. Ok, bon voilà, là on va poutrer des bandits. Who goes there? A traveler who wishes to be left alone. Alone is a dangerous way to travel, little missy. There may be unscrupulous men about. For a small fee, my friends and I can guarantee you safe passage. I'll find my own path. Tung, 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 tung. Here, where'd she go? Find her. She cannot have gone far. En gros, il nous demandait une rançon à péage pour passer. They couldn't catch a goat, let alone at our coast. I knew I should have avoided the main road. Poet, it's odd to find bandits so close to Athens. Salut. Bon bref, on rencontre juste des bandits sur la route, quoi. Diana, where are you? Wait for me. There's the girl, man. We'll make her pay for running. Ah! Bon, les combats, là. By Zeus. Well, this is a fine start to my quest. Artemis, grant me your strength. Battle time! Voilà, bon du coup on va enfin arriver dans la bataille. Dans la bataille. J'ai fait un mix entre battle et bataille. Bref. Où nous avons des objectifs à remplir, à savoir battre tous les bandits au nombre de 5. Tuer un ennemi, en fait finir un ennemi en lui infligeant des dommages, voilà, j'ai du mal, de chute, vous allez vite comprendre pourquoi. Un total de 1000 XP. On peut voir la map. Voilà, je sais qu'on peut. Il me semble qu'on peut tourner, là, on peut pas l'avoir accès encore, mais on y verra après. Voilà, je suis prêt, on a un objectif qui est verrouillé pour l'instant. Prepare yourself. Voilà, donc on peut en effet là, tourner la carte comme ceci. Voilà, ça se présente comme ça en fait. Une sorte de 3D, enfin, une profondeur assez... je sais pas comment on pourrait appeler ça. Du coup ça fait un petit peu moche le fond vert comme ça quoi. Mais bon, moi ça me fait pas. Enfin, ça permet que ça tourne sur mon PC, donc j'ai pas à me plaindre. Et donc, c'est un jeu tour par tour, donc c'est pas du 2D classique sur un plateau comme vous pouvez voir dans certains Fire Emblem, qui je sais pas s'ils étaient les précurseurs du RPG tactique, mais moi c'est les premiers que je connaissais comme étant dans ce genre-là, bref. Et donc, le but c'est d'éliminer tous les ennemis
on peut briser des tonneaux, cool. Le but c'est d'éliminer tous les ennemis de la map. Ça c'est les options, donc on a nos deux personnages, voilà, sur lesquels on peut switcher. Donc en choisissant par exemple un personnage, à savoir là, Diana, qui est donc transformée en ours, on peut avoir différentes infos, à savoir 137 PV, ou alors je me trompe complètement, parce que tu restes sur 137, je sais pas trop à quoi ça fait référence, parce que là c'est sur les cônes de l'ours, non je sais pas, bon bah je sais pas, alors bon bref, on peut se défendre, c'est-à-dire qu'on peut voilà, être en parade pour sûrement avoir moins de dégâts. On a donc l'attaque, qui fait donc 16 de damage, voilà. Qu'il attaque un personnage et qu'il le pousse sur 3 cases. D'accord. Je peux pas essayer le truc de l'ours, bon peu importe. Et ben voilà, tout simplement. Donc, en sélectionnant mon personnage, je peux avancer jusqu'aux cases déterminées. Hop, je me mets à côté d'un ennemi. Je sélectionne la patte, la patoune. Voilà. Alors lui, il est... vous voyez quelques infos sur lui, je sais pas trop comment les traduire. Voilà, on sélectionne lui, ce qui anticipe un petit peu sa chute. Et là, on fait la flèche. J'ai dit on fait la flèche, voilà, parfait. Pour préparer en fait le tour, pour enregistrer l'attaque. Maintenant, on passe à Nefeli, qui est entourée de deux ennemis. Et qui est donc, voilà, pareil, des femmes. Elle a un genre de carreau de steam, de fumée, de vapeur, enfin, une sorte d'arbalète comme ça. Et elle a une autre attaque qui est dépressurisation, qui en gros expulse un petit peu tout ce qu'elle a autour d'elle, et ça va être intéressant vu qu'on est un petit peu entouré de deux ennemis. Voilà, mes deux personnages ont fait leur action, on fait end turn, voilà, et maintenant c'est execute. Donc on voit les petites animations, l'ours, bam, allez, bouffe, voilà, d'un coup l'a tué. Voilà, eux pareil, on les a bien, bah, j'ai tué l'autre en plus, qui a fait une vilaine chute, et vous voyez là, j'étais sur une sorte de plaque qui fonctionne à la vapeur, et à chaque tour, en fait, voilà, les mécanismes du décor, du niveau, je dirais, s'actionnent, ce qui change un petit peu la prédisposition du niveau. Bon, voilà, vous avez compris, hein. Donc, je sélectionne Diana, je me rapproche, je prépare le coup de patoun, et... ok. Hop, on sélectionne Nefeli, qui peut par exemple se mettre ici. Hop, pour le steam shot. Voilà. Ah merde, je sais pas si j'ai... Si, c'est bon, c'est fait. Oh, dans les fesses. La moins 30 de physical. Et pourquoi j'avais pas dû faire sélectionner avec Diana? Bon, c'est pas grave. Là, bah du coup, là, maintenant, Nefeli est prise en cylindriche. Du coup, je me sens... J'ai pas l'air fin, moi. Bah, je peux descendre là, quoi. Et surtout, bah, elle va faire... Voilà, dépressurisation. Oui, c'est bon. Ah, ben, je sais pas ce que j'ai fait, d'ailleurs. Ce que je n'ai pas fait, plutôt, d'ailleurs. Mais apparemment là c'est bon, enfin, on est plus avec Nefeli que je vais agir. Voilà, hop, elle a fait le tour. Voilà. Comme ça donne un petit peu de répit, mais c'est pas possible que lui me bute. Hein. Parce que même les deux me butent, c'est l'autre il arrive à... Non c'est bon. Ah bah ouais, bon, bah, ça m'aura suffi. Faut que je fasse gaffe. Ok, donc elle a repris une forme humaine. Du coup, elle a les attaques un peu différentes, notamment Artemis Blessing, qui en gros redonne de la vie à un allié, mais c'est un peu trop tard. Et elle a surtout un coup de couteau, de poignard plutôt, que je n'ai pas utilisé, je vais juste me mettre en parade en fait. Voilà, dans la mesure où je ne peux pas atteindre les ennemis. Voilà, c'est bon. Voilà, comme ça ma défense est augmentée si les ennemis s'approchent de moi. Et. Préparer de m'attaquer. Ok. Donc. Oula. Hop, on s'approche. Le poignard. Voilà. Et les informations que j'ai pas lues, j'aurais peut-être dû lire. Et du coup, je fais moins de dégâts.
c'est con, je me suis fait tuer là précédemment, mais c'est parce que j'ai loupé un tour en fait, voilà, avec Dayona. Ouais, ils font mal à deux comme as. Quoique, voilà, si je me retransforme en nounours. allez, voilà. Collision, d'accord, ok, il y a quelques infos. Allez, bouffe. Ok, d'accord, il y avait des dégâts de collision. Ah, intéressant, lui, c'est Miro, comme ça, il pourra pas m'atteindre. Ça me fera peut-être un petit peu de répit. Et d'ailleurs, quand je suis en forme d'ours, j'ai bien plus de points de vie. Ça, c'est intéressant. Allez, lui, on va le finir. Voilà. Bam! Pas mort encore? Ouais, bah, c'est qu'une question de temps, wesh. Ah bah, lui, il est coincé en haut, comme as. Qu'il arrive. Allez, c'est bon. Voilà. Il ne reste qu'un tas de squelettes. Enfin, un tas d'os plutôt. Parce que tas de squelettes, ça veut rien dire. Ah ouais, tu veux jouer à ça. Ah merde! Merde! Est-ce que je sais que. Que genre, si je me place derrière et que je stab. Ça fait, je sais que la première fois que j'avais fait, ça faisait plus de dégâts en fait de le faire dans le dos. Mais est-ce que là je suis vraiment dans le dos? J'ai un doute. Ouais, ah, si c'est ça, ça l'a fait. Moins 30 backstab. Là, vous voyez, backstab, poignardé dans le dos. En général, on poignarde dans le dos. Enfin, pas forcément, non, en fait. Non, c'est bon ce que je dis. On ne poignarde pas forcément dans le dos, mais dans l'idée, un coup de poignard c'est assez lâche. Donc ça se fait généralement dans le dos. Hop! Je pense pas que ça va suffire, non. Mais. Il manque pas grand chose. Donc ça devrait le faire. Heureusement que lui peut pas forcément me faire tomber. Parce que autrement j'aurais des dégâts de chute en plus. Allez, là on va le terminer. Un gros coup de patoun. Hop! Et voilà! Bon là c'était vraiment le premier truc, donc c'est pas bien compliqué. Bon il y avait aussi l'autre objectif que je n'ai pas pu remplir qui était de compléter le niveau sans prendre un seul dommage, enfin un seul dégât, mais bon on se demande comment c'est faisable. Wow, that was exciting. I didn't realize the woods were so full of bandits. Eh ben moi non plus. Oula. La fenêtre. Ne répond plus, enfin ça devrait revenir en sous peu. Ok, so. They were fools to attack an outcast too, usually. I can just avoid them. Genre, c'est de ta faute en fait qu'on s'est fait attaquer, hein, parce que c'est vrai que quand on les a rencontrés, elle s'est échappée. So, are you a bear or a girl? Or some kind of hybrid burglar killing machine? I was born a girl like you. For Artemis has chosen me to be her priestess and champion. An Arcos, I thought they were just legends. D'accord, c'est Arcos en fait qu'on est, une sorte de. À la fois ours et humaine. I wish Apollo will give me abilities like that. All I get for being his priestess are occasional bits of mechanical inspiration, which are fun, but not as you know, awesome. Your weapons serve you well enough back there, eventually. Bon, bref, papote, hein. Well, I'm glad to have you as my partner. This adventuring business is more dangerous than I thought. I wouldn't want to do it alone. Voilà, comme quoi, ouais, t'es super cool avec tes pouvoirs de dieu, et toi t'es aussi pas mal, machin machin. Yes, you. Wait. What gave you the impression we were traveling together? C'est-à-dire que... You invited me to join you at your camp, remember? What? I didn't say you could follow me. Don't be silly. Of course you did. And it's too late to take it back now. The head priestess threw quite a fit when I told her I was leaving. I'm not even sure I should go back to that town for a while. Pas mal à parler, faut que je boive un cul. Anyways, let's see what the bandits had on them. Ah, on va carrément les piller, quoi. Wow, that's full of coin purse. Une bourse pleine de une bourse, quoi. Dayona, this is Artaxerxes, the king of Persia. Well, he's dead now.
No, no, not the bandits. On the coin. These are Persian silvers. Only traders will have these, and only a handful or so. En bref, ils ont trouvé des pièces assez rares et assez réputées. Then it seems like these bandits are on Persia's payroll. Mm-hmm. No, it couldn't be. I thought Persia's empire was based on bribery and intimidation. Sort of, but they haven't really been interested in Greece since their invasion failed 50 years ago. Pas de mal, alors je m'excuse. Maybe they're getting interest again. Could this be the threat Artemis was warning me about? Voilà, en gros, apparemment, Artemis l'avait prévenu d'un soi-disant danger. Et là, il parle des Perses qui pourraient être en effet ce danger en question. We'll have to ask about it when we get to Athens. So, we are traveling together. This girl is no warrior. However, her knowledge of the civilized world might prove useful in Athens. You can travel with me to Athens. After that, I journey alone. Oh, don't be silly. I'm sure we'll end up being great friends. Et bah donc voilà, pour ce premier niveau, et oula. Et progression sauvegardée. Sachant quand même complètement radicalement de décor. Vu que là j'ai l'impression que ça va être pas mal de dialogue et d'histoire, je m'arrêtais là en fait. C'est-à-dire que j'aurais pas montré grand-chose du gameplay, mais je pense pas que le gameplay soit bien plus profond que ça. Je pense que les ennemis seront un peu plus nombreux, un peu plus forts, les niveaux un peu plus différents, les attaques un peu plus variées, il y a sans doute des éléments de RPG, donc du coup des éléments d'amélioration, pardon. Mais autrement, voilà, c'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu l'esthétique du truc et un peu la base, quoi. Même si c'est vrai que c'était pas très profond, mais là j'ai pas vraiment envie de continuer l'histoire, là ça a l'air assez long. Et je pense pas que ce soit très intéressant d'en montrer plus, ça fait déjà une vingtaine de minutes que je suis sur la vidéo là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais boire un coup d'abord. Je vais sans doute éternuer parce que je sens que ça va venir. Mais surtout, je vais arrêter cette vidéo. Cette vidéo découverte donc sur Hellenica, qui, ma foi, peut être sympa si on aime bien ce genre de jeu. Après, c'est assez lent comme rythme, hein, voilà, enfin... Je prends les Fire Emblem, j'ai pas fait beaucoup de jeux tactiques, hein, ou alors les jeux, tour par tour RPG, sans forcément qu'ils soient tactiques. J'aime bien qu'ils soient un peu nerveux en fait, j'aime bien qu'ils soient assez bien rythmés. Or là, c'est pas forcément trop le cas, mais c'est pas forcément mauvais, puisque ça peut reposer tranquillement. Si on veut juste faire une petite partie, voilà, on peut couper la musique, qui est pas d'ailleurs très intéressante. Je l'ai pas dit, mais enfin, j'en profite maintenant. Et autant, voilà, vous mettez votre musique, vous faites ça peut... vous reposer, et j'ai vraiment le nez qui veut éternuer là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo découverte et à très bientôt. Salut !